Avec que j'ai trouvé dans le drugstore Nivea, tout simplement la Skin Firming Hydration. Vous allez me dire, mais ça, on a ça chez nous, hein? Oui, on a ça chez nous, mais regardez-moi ce flacon. Ce flacon pour 400 ml coûtait 5 $, sachant que chez nous, le 200 ml est déjà à 8 € quelque chose. Et avec derrière, vous avez une petite crème en plus. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion parce que celui-là il coûte trop cher ici. Je suis désolée, hein, le gros format. Et c'est celui avec le Q10, donc qui aide à raffermir la peau. Vous allez me dire, ça ne marche pas? Si, ça marche, hein. On sent que la tonicité de la peau est différente au bout d'un, enfin, au bout d'une application régulière. Donc, voilà, en 2 semaines. Bon, je vous conseille vraiment de l'essayer si vous ne l'avez pas essayé. Bath & Body Works. Bath & Body Works. Oh là là, Sana m'a lobotomisé le cerveau avec Bath & Body Works. Donc, on a été chez Bath & Body Works et j'ai trouvé ces deux incroyables gommages. Voilà, donc des gommages au sucre pour le corps. Je suis aussi une fan de gommage, vous le savez maintenant. Et j'aime bien les gros grains, hein, oui. Et ce qui est bien avec ce gommage-là, c'est que comme il est au sucre, il va pour tout le monde. Il suffit de le laisser un peu plus fondre, de laisser les cristaux un peu plus fondre ou non. Les odeurs sont fabuleuses. Donc vous avez ici Moonlight Patch. Donc il y a à chaque fois les brumes qui vont avec et compagnie, je ne les ai pas prises. Mais Bath & Body Works, ça marche un peu comme Victoria's Secret. Vous avez la crème, le gel, le gommage, la brume pour le corps. Voilà, comme ça. Et Sweet Pea, donc ça sent la pêche celui-ci. Et voilà, je vais me faire plaisir avec ces petits. Toujours c'est Bath & Body Works, j'ai trouvé ça. Qui était donc soldé, parce que comme vous le voyez, c'était dans les éditions de Noël. Et c'est une crème pour le corps en crème fouettée, comme la chantilly. Donc voilà, vous avez la bombe et ça fait vraiment, donc là j'ai du swatch par ici, comme la chantilly. Vous voyez? C'est excellent, enfin c'est marrant. Et pour changer, elle est très onctueuse et très hydratante. Parce que moi je suis un peu difficile en crème hydratante, parce que ce qui compte c'est pas son odeur pour moi, c'est surtout qu'elle m'hydrate. Pour pas avoir la peau de crocodile, je pense que vous savez de quoi je parle. Avoir la peau toute blanche là et qu'on me dise, ah t'as pas mis de crème aujourd'hui, hein? Oui, ça se voit sur nous quand on n'a pas mis de crème, hein. Ça se voit sur moi. Donc voilà, et ça sent super bon, vraiment. C'est un mélange de... Bon, ça sent un peu la bougie quand tu le sens d'un seul coup, mais une fois que ça s'estompe, c'est très léger. Et la senteur est censée être Candy Apple. J'aurais pas dit mieux. Puis moi, j'aime bien le côté chantilly. J'aime bien les gadgets. Vous avez déjà vu, hein. J'aime bien tout ce qui change un peu, les gadgets, les bêtises comme ça. Donc, voilà. J'ai pris aussi, toujours en drugstore, donc ce gel douche. Vous savez, ma fille, elle est partie aux States, elle a ramené des gels douche. Ah bah écoutez, hein, moi j'aime bien ce gel douche, ce n'est pas ma faute. Donc le gel douche au beurre de karité et à l'huile d'amande qui hydrate super bien. La peau est satinée, veloutée, parfumée, juste comme il faut. Enfin, j'aime beaucoup les gels douche américains, donc à chaque fois que je vais aux États-Unis, j'en ramène. Et voilà, donc il y a cette marque là et la marque Caresse. Et en fait, on peut mettre juste une goutte, ça dure super longtemps parce que vous mettez juste une goutte, ça suffit pour se laver tout le corps. Et en plus, ça sent super bon. Voilà, soft soap, shea butter et huile d'amande. Là, c'est toujours chez Bath & Body Works. Pareil, bon, soldez-moi 70%, une brume pour le corps pailletée. Avec des petites paillettes. Vous voyez, comme ça, là. Comme des... Alors, j'aime pas le côté pulvérisant. Hein. Ça pulvérise, ça fait pas un beau jet bien diffus. Ça fait quelque chose un peu trop direct. On va faire avec. Et ensuite, on l'applique sur le corps. J'aime bien parce que l'odeur n'est pas trop alcoolisée. C'est-à-dire qu'on sent pas, en premier lieu, qu'il y a de l'alcool. Là, c'est quoi que j'ai pris? Amber Blush. Alors, les odeurs ambrées, c'est pas ce que je préfère, mais là, c'est plutôt fleuri, bizarrement. Je vois pas où est l'ambre, mais j'ai beaucoup aimé cette odeur, et c'est l'occasion d'avoir une brume, une brume de plus, en fait. Toujours dans les brumes, chez Victoria's, chez Pink, pardon, chez
Donc, comme je vous ai dit, la version sport de Victoria's Secret, j'ai pris la brume Pretty and Pure, qui sent un peu, on dirait l'eau de la petite robe noire. J'ai beaucoup aimé. Et voilà, ça, je sais que je vais le terminer très vite. C'est pour ça que j'en ai pris plusieurs. Voilà. Chez Victoria's Secret, toujours, je me suis pris des gels douche Deep Berry, donc qui sentent. On va. Ça, c'est la framboise, mais on dirait une framboise. Une framboise qui reste. Je dirais pas macérée, parce que macérée, ça ferait. Genre, ça sent pas bon, mais voilà, une framboise qui a enrobé, sucré, un peu comme dans les gâteaux, dans les chocolats. Vous avez parfois de la liqueur de framboise, voilà, ça sent ça. Ça sent trop bon. Scarlet Berry sans Swallowwood. Yeah. I'm an English girl. Donc, c'est dans la collection Midnight Exotic. Et c'était donc la senteur Deep Berry. Et j'en ai pris deux. Et oui. Et oui. Oui, j'ai pris des choses en double parce que je sais pas quand je vais retourner là-bas. Hein. Je vous aurais fait pareil, je pense. Toujours chez Victoria's Secret, j'ai craqué pour ce parfum. Le numéro 1. Et d'ailleurs, je comprends qu'il soit le numéro 1. Il était en édition limitée, vous avez le packaging qui est en velours. Donc la boîte, elle est en velours, toute mimi, comme ça. Et le petit flacon avec son petit nœud. C'est très chou. Pareil, ça sent les fleurs avec une petite touche boisée. Et voilà. J'espère ne pas le finir trop vite, parce qu'après, il va falloir que je fasse un autre voyage encore. Hein. C'est pas ma faute. J'ai oublié. Et ben, enfin, chez Soap and Glory, donc j'ai pris une crème pour les mains chez Soap and Glory. Pareil, qui sent ben, les odeurs de Soap and Glory, c'est super sucré, c'est super agréable. Mais celle-là, elle n'est pas pour moi. Vous savez, elle est pour qui? Elle est pour celle qui gagnera le giveaway. Et oui. Sinon, dans une autre catégorie, donc pour les pieds, hein, me suis pris le baby foot. Donc le baby foot que j'ai cherché partout, c'est un masque donc japonais pour les pieds, pour retrouver la peau de bébé. Donc c'est ma mère qui sera le cobaye. Elle va nous faire le plaisir de nous tester ça. Je vous montrerai ça en vidéo. Et en fait, la promesse, c'est que ben, fini le talon tout dur, les talons fendillés. Ça vous rend les pieds tout doux, tout comme un bébé. Le processus n'est pas forcément très glamour, hein. Vous avez des lambeaux de peau qui s'en vont. Mais voilà, c'est vraiment un produit que je voulais essayer. J'en ai entendu beaucoup parler dans de nombreuses vidéos. Et je vous montre ça dès que je peux. Hein. Voilà, voilà. Et pour finir, j'ai trouvé 2-3 colliers. Alors, c'est pas sur ce sur quoi je me suis le plus jetée. Donc, au niveau prix, c'est pas ce qu'il y avait de plus avantageux. C'est la même chose qu'ici. Donc, j'ai trouvé ceux-là chez Forever 21. Voilà, donc un collier. Ça, c'est les couleurs. Par contre, les nouvelles collections étaient déjà là-bas. Ça va être les couleurs de ce printemps-été. Voilà, le corail, le bleu turquoise, le mauve lilas et le crème. C'est ce qu'on va avoir cet été. En veux-tu, en voilà. Donc, vous pouvez commencer à acheter les filles, hein, pour être dans la couleur de cet été. Hein. Donc voilà. Après, en termes de vêtements, je me suis fait un petit peu plaisir. Mais pareil, c'est pas ce qu'il y avait de plus avantageux. Donc, vous aurez l'occasion de vous les montrer dans différentes vidéos, que ce soit des Get Ready ou autres. Et voilà. En tout cas, j'espère que mon haul vous a plu. C'était le premier. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Bien sûr, hein, je vous parle de chacun des produits dans les vidéos à venir. Dites-moi ce qui vous a fait rêver. Dites-moi ce que vous auriez voulu que je ramène. Ah oui, alors je sais, vous auriez voulu la Lorac Pro qui était... pas disponible là-bas non plus, il n'y en avait pas, hein, on a fait plein de Sephora, plein, il n'y en avait pas. Il y en a sur le site par contre, donc du coup vous pouvez vous passer par Shipito pour vous la faire livrer. Shipito, vous pouvez suivre la vidéo de Sana qui en parle, donc comment vous faire livrer les produits qui ne se livrent pas ici. Et puis, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez d'autres hauls de ma part, ben il y en aura, je vous laisse le dire en commentaire. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et restez connectés, le giveaway arrive. Un super giveaway New York. En même temps, fête New York, en même temps, fête notre anniversaire de Julicious. Enfin, voilà. Je vous fais des gros bisous, mes Julicious. Merci d'être là et merci d'avoir regardé cette vidéo.
Allez, ciao ciao.